J'aime me faire défoncer par des méchants qui ont pas envie que je joue. J'aime me faire défoncer par des méchants qui veulent pas que je joue. Attaque, Drodka! Si t'attaques pas, on va pas être beaucoup potes. Mess one. Everybody got mess one. Oh. Son stun est loin. Ça sent très très bon ça. Ça sent très très bon. Bon, il va falloir jouer intelligemment. On va jouer intelligemment et pour ce faire, donc je vais me resservir un petit verre d'eau là. On va prendre le temps. On va prendre le temps. Tout ça, c'est parce que j'ai chanté. Mess one. De Ray Charles. Ne l'oublions pas. Qu'est-ce que c'est bon d'écouter de temps en temps un petit Ray Charles. Donc là, on a un run qui sent très très bon. Il reste 50 stacks. J'ai pu déclencher la capacité de Droid qu'il y a juste avant. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On va pouvoir soigner un petit peu la mémère 23, qu'il faut pas oublier vu qu'elle fait un très gros DPS. Là, on va espérer un one shot. Donc c'est bon, je me suis servi mon petit verre d'eau. Qu'il fait plaisir. Qu'il fait plaisir. Donc on va soigner la mémère. Et un free kill. Il fait tellement mal. Vas-y, sors-nous le hit de ta vie. Oh la chance. Oh la super méga chance. Ça sent bon là. On fait une petite cape. Ça c'est fait. Ça sent très bon. Ça sent très 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 bon. Ça fait juste 2 heures que j'essaie, quoi. Mais. Oui! Alléluia! Oh putain, c'est bon. Oh putain, comme c'est bon. Excusez-moi, mon langage peut châtier. Cependant, ce moment d'immense satisfaction m'irrisse le ch'tipoc. Maintenant, il est temps de vous présenter un peu mes équipes. C'est trop cool. C'est trop cool. Oh là 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 là.
Ah, j'adore! C'est super, c'est génial. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est vraiment plutôt cool, quoi. Ah, quelle galère pour l'avoir. Oh, le niveau est tellement relevé. Quelle galère, mais nous voilà donc devant ce bon général Skywalker. Donc, je vais vous montrer un petit peu mes équipes. Je vais vous montrer mes modes. Et donc, le but, ça va être de vous expliquer pourquoi, enfin, comment s'est passé le try, quels sont les choix que j'ai faits, à quel moment qui m'ont permis d'arriver à cette victoire. Et c'est génial. C'est trop cool. Pop, 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 pop. Voilà, pop, pop, pop. La boutique, la boutique, la boutique, la boutique, on va pas l'oublier, le général Skywalker. Non. Donc j'ai un petit peu de réserve. Mais c'est pas non plus immense quoi. J'ai de quoi choper 50 éclats en réserve. Mais après, il y a un jeune novice qui va terminer. Donc c'est plutôt cool. Alors, donc, on va partir sur. Tadam. Et on va l'affecter, on va l'affecter. Il doit être tout en bas. On va le trouver dans les Jedi. Tout en bas, tout en bas. Affecté. Oui. Ouais, mais déjà, côté lightsave, je pense qu'il n'y a pas besoin d'un gros niveau. Alors, les états sont assez importants. Alors, c'est pas ça exactement l'équipe. C'est pas de mec qui est lead. Donc, on va la mettre en lead. Rendra Padmé ce qui appartient à Padmé. Donc je pense que les états qui sont super importants, c'est déjà le lead de Padmé. Je pense énormément aux états de Kenobi. Après, il n'y a pas besoin d'une très grosse team pour ce fight. Là, je suis passé. J'ai un G13 dans l'équipe. Je pense qu'il y en a qui ont fait avec moi. Si vous avez un G13 à faire, c'est vraiment donc le général Kenobi pour le tier 2. Mais ce qui nous intéresse, le vrai cœur du combat, la vraie phase qui est difficile, c'est vraiment donc la phase 4, le tier 4. Vous m'excuserez, je suis un peu malade, mais donc c'est pas grave, on va continuer quand même. Donc, quels sont les modes que j'ai utilisés? Déjà, on va commencer par ça. Mais là, je lui ai foutu les modes, le set de mon Han Solo. Pourquoi? Parce que double dégâts critiques. Double dégâts critiques, de la vitesse, elle est quand même très puissante. Surtout que là, elle est R4. Donc elle a un gros DPS. Et j'ai envie que son tour arrive assez rapidement. Parce que voilà, dès qu'elle va frapper, on va la sentir passer. Mais bon, il y a des meilleurs youtubeurs que moi qui vous feront des meilleurs tutos en vous expliquant chacune des choses. Là, qu'est-ce que j'ai cherché? J'ai cherché donc du DPS et du pouvoir. Donc son attaque de masse qui va mettre des malus de défense de partout, ce qui est très intéressant. Ce qui est très très intéressant. Donc pouvoir, dégâts critiques, un petit peu de chance de coup critique. Bon, pas énorme. Mais voilà, on a déjà pas mal de balles. Donc voilà, c'est ça que j'ai cherché sur Ventress. C'est du DPS et un peu de pouvoir avec de la vitesse pour pouvoir l'appliquer. Passons. Perdu. Je penserais que ça marcherait. Donc, lui. Bon, lui, je me suis pas énormément foulé. Je lui ai mis quel set? Je lui ai mis le set de mon Malak à ceci près que j'ai rajouté un mode de pouvoir ici. Donc les modes de vitesse, c'est vraiment pas nécessaire de mettre de la vitesse. S'il y a bien un personnage sur le jeu qui n'a pas besoin de vitesse, c'est vraiment le super droïde de combat. Mais là, en l'occurrence, étant donné que j'avais pas vraiment envie de m'embêter, donc voilà, ce que je cherchais, c'était vraiment du hub de pouvoir. Là, j'ai du hub de pouvoir. J'ai un bon hub de protection pour lui apporter un petit peu de survivance. En l'occurrence, j'ai de la vitesse en plus. Ouais, du coup, ça le fait monter bien haut. Ah ouais, ça le fait monter super méga haut. Mais bon, ce que je voulais, c'était de la survivance avec de la protection. Je voulais du pouvoir. Ceci est réuni, donc avec un petit peu de défense en plus de résistance. C'était clairement ce que je voulais. Après, le speed, mais c'est vraiment du plus.
Le super droïde de combat B1. Alors lui, je suis allé chercher des mods un petit peu de partout dans mon stuff. Le but, c'était avoir un maximum de DPS. C'est bien ça qui vous intéressera, le DPS. Là, je suis à plus 2794, mais il y en a qui ont fait largement mieux. Donc du DPS et de la vitesse pour avoir donc des stocks sur B1. C'est vraiment ça l'important. En premier, du DPS. Et après de la vitesse. Je crois que je me suis même permis sur lui. Ah non, c'est pas sur lui. Vitesse et DPS. Voilà, c'est ce que j'ai cherché. Après, bon, ces deux modes en plus de synthé, ça ne sert à rien. J'aurais pu les mettre en chance de coup critique, mais en l'occurrence, j'avais des beaux modes ici à équiper. Tout droit sorti de ma Dark Pastilla. Donc. Ah non, pas celui-là. Celui-là, je sais plus d'où il vient. Mais donc, bref, voilà qui a plutôt bien marché. Lui, donc, il est super méga important d'après les vidéos que j'ai regardées, que son tour arrive vite pour que qu'il puisse faire sa super capacité de révolution reconstructrice. Donc, il faut que ça arrive vite. Moi, je me suis quand même permis de. Je suis passé avec ça d'ailleurs. Je me suis quand même permis de mettre cette croix en attaque, mais sinon le but c'est vraiment d'avoir un gros stuff offensif, quoi. Là, j'ai chopé les modes de mon Yoda en fait. Donc de la vitesse en plus. Là, j'ai pas mis assez de vitesse en plus. Si son tour serait arrivé avant le tour de tous les autres, j'aurais sûrement moins galéré sur cet event. En l'occurrence, je l'ai passé. Ça m'a pris quoi? Ça m'a pris. Il est minuit 30. Très honnêtement, ça m'a pris 1h10, je crois, le passé. 1h10, ouais. Donc voilà, je suis allé chercher du gros DPS et donc un petit peu de dégâts critiques en plus. Voilà, c'est ça que j'ai cherché principalement. Je me fiche de la santé, de la protection, bon, même si forcément il y en a un petit peu plus. Je suis pas allé chercher de pouvoir sur lui, donc je suis vraiment allé chercher du DPS. Son but, c'est qu'il assiste et. Et qu'il fasse un gros dommage. C'est vraiment tellement cool. C'est tellement cool. Et enfin, donc, le Magma Guard. Donc, lui, je suis allé choper les mods de mon Grievous. Donc, je suis allé chercher de la santé. La santé. De la santé. De la santé. Et ici, j'ai quand même chopé un petit peu de pouvoir. Pourquoi? Parce que son stun est super utile. Bon, il va falloir que je regarde le replay, mais le stun est vraiment très utile pour passer l'événement, étant donné qu'il peut vous stun, mais par exemple un Rex pour éviter un debuff de masse, plus un up de jauge de masse, mais aussi il peut vous stun. Donc le personnage qui est tout à gauche, là, j'ai oublié son nom, Echo. Echo, qui peut stun l'intégralité donc des droïdes d'un seul coup, et ça, c'est violent. Vous pouvez recommencer le run dès que vous voyez ça. Donc voilà, le but sur le run, ça va être très clairement de réussir à tuer Five en premier, donc vous couchez ce bon Anakin, et là il va falloir faire un focus de base sur le bon Five. Une fois que vous aurez terminé Five, il va falloir que vous regardiez le Terminator, enfin les habilitations donc de Rex ou de Echo. Echo a un stun de masse, Rex a un debuff de masse. Si leurs tours sont loin, ce que je vous conseille, c'est de vous attaquer au clone qui est tout à droite. J'ai pas son nom, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais donc, attaquez-vous au clone qui est tout à droite si leurs capacités sont loin. Si leurs capacités sont proches, regardez dans un premier temps si vous pouvez les éviter avec Magma Guard. Donc, et le stun de Magma Guard. Si vous ne pouvez pas les éviter avec le stun de Magma Guard, ben moi je vous conseille de vous focus sur eux. Donc Rex ou Echo. Là en l'occurrence, j'ai eu de la chance, leurs habilitations étaient loin. J'ai pu me focus sur le clone de droite. Mais donc c'est vraiment clairement une question de chance, quoi. J'ai passé, comme je vous ai dit, j'ai passé 1h20 de test. Donc. Plus si on compte le temps à changer mes modes, j'ai passé un temps fou là-dessus. Il faut prendre son temps. Il suffit. Alors apparemment, il suffit d'avoir un seul G13 en équipe. Vous pouvez vous en sortir avec un seul G13 qui est le droïde de combat B1 qui sera vraiment vital sur cet event.
Donc, s'il y en a un qui carry le match, c'est le super droïde de combat B1, qu'il vous faudra impérativement avec son état. D'ailleurs, en parlant des états, je pense, selon moi, que les états les plus importants, Magma Guard, on oublie directement son état. Pour moi, les états les plus importants sont super droïde de combat B1, enfin, droïde de combat B1, super droïde de combat B2 et droïde K. Donc ces trois états-là sont vraiment nécessaires, je pense, pour passer les 20, hormis si vous avez un stuff où vous êtes full G13, là vous pourrez vous passer de plus des états, mais là en l'occurrence, je ne vous le conseille pas. Les états de Ventress, comment dire, ils peuvent servir, mais déjà son lead, étant donné que son lead ne s'applique pas aux autres, c'est pas nécessaire, c'est pas vital. Son passif, ouais, ça peut vous servir quand vous... Je dirais que c'est le quatrième plus important, son passif. Donc vous allez gagner une turn meter à chaque fois que vous faites un kill ou à chaque fois que vous prenez un kill, ce qui est quand même assez intéressant. Et enfin, voilà, c'est tout. Donc c'est super, on a réussi à débloquer la bête. Après, pensez bien que même si vous débloquez la bête, pour réussir à le up, ça va être un personnage qui sera encore pire que Shakti, dans le sens où il va vraiment y avoir besoin des matériaux qui ne sont pas du tout free to play. Où il faut être très patient. Bon, je vais montrer ça, mais dès le bas level, donc vous allez avoir besoin des nouveaux matériaux qui sont très durs à obtenir, hormis en utilisant des cristaux ou en étant patient avec les récompenses quotidiennes. Donc on va continuer le up tranquillement et après cette vidéo arrivera à son terme. Équiper, équiper, fabriquer, équiper, équiper. Ah, je suis vraiment, vraiment content d'avoir réussi à le passer, quoi. Après, suivant les premiers tests qui sont parus de lui, il n'est pas non plus si impressionnant que ça. C'est-à-dire qu'il se fait battre par DR, c'est-à-dire que, bon, déjà, si vous l'avez 5 étoiles, il sert pas à grand-chose. Et donc, il n'est pas si essentiel que ça. On verra. Moi, je me demande s'il manquerait pas un petit personnage à cette équipe-là, s'ils vont pas nous rajouter des bonhommes. C'est vraiment une question que je me pose. Parce que pour l'instant, il y a même des Lucs qui peuvent le battre. J'ai vu Luc le battre, j'ai vu Padmé le battre. Il y a plein de teams qui peuvent le battre. Et donc, ça, d'un côté, je trouve ça important parce que c'est, je suis totalement contre le fait qu'il n'y ait qu'une seule méta et rien qui puisse la vaincre. Je trouve que c'est plus intéressant pour le jeu, même si je suis généralement dans les méta, je trouve plus intéressant pour le jeu qu'il y ait plusieurs possibilités. Et donc, voilà. Dès à présent, vous pouvez voir que dès maintenant, vous avez ces fameux matériaux qui sont bien enquiquinants. On va voir aussi, donc, apparemment, il y a besoin de 4 zetas sur lui. 4 zetas, c'est plutôt énorme. Donc, déjà, un ici. Là, je pense pas qu'il y en ait. Et donc ce sera sur... Oh non, peut-être pas là. Juste de l'oméga, ça me va très bien. Là, forcément, sur son lead, il devrait y en avoir un. Et enfin, deux capacités passives. Ah, c'est con ça.
Donc là aussi, il y aura un zeta à mettre, ce qui fait un total de 4 zeta sur le personnage. 4 zeta, c'est plutôt énorme. Alors, ça me prend du temps, mais ce sera sûrement ma priorité. Je pense que je les mettrai mes 4 prochains zeta, histoire de le test. Je pense qu'il peut vraiment surprendre. Il est pas encore, il sera pas massivement déployé, je pense, sur le jeu. Bon, il y en aura forcément beaucoup qui l'auront. Il n'était pas non plus si difficile que ça, je trouve, à obtenir. Tout le monde a une team Grievous. Chaque team, on sait depuis longtemps qu'elle va être nécessaire, qu'elle va être très utile. Donc, je pense qu'il y en aura quand même pas mal, une vingtaine par shard, un truc comme ça. Et après, qui seront les premiers à l'avoir cette étoile? Qui ont suffisamment économisé pour pouvoir le gears suffisamment? Voilà, bah, j'espère que ça pourra vous servir dans votre combat, dans votre affrontement, pour avoir ce bon général Skywalker. Sachez que c'est pas très simple, mais ne vaut-il pas mieux galérer quelques heures ou voire quelques vingtaines de minutes plutôt que de dépenser en masse pour avoir ce général Skywalker qui, à première vue, n'est pas non plus exceptionnel. Si Luke peut le prendre, si Padmé, si DR peut le prendre, donc c'est ne dépensez pas trop dessus. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une merveilleuse soirée vu qu'il est un petit peu tard ici. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!